Coucou CC. Donc dans cette vidéo et dans les suivantes, on va regarder la division euclidienne. Alors on va regarder aussi ce qui s'appelle les diviseurs et les multiples. Donc on va faire ça, division euclidienne. Donc dans ton livre, c'est à la page 72. Et aussi regarder ce qui est multiple et diviseur. Et tu verras même qu'on abordera la notion de nombre premier. On dit que les nombres premiers, ce sont les briques de base des entiers. Alors, ici, j'ai mis, tu vois, des pièces d'or. Alors, j'en ai mis combien? Si on regarde bien, ici, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, 5. Donc, il y a 5 paquets de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ça, on avait déjà vu. Donc, ça nous fait 5 fois 6, donc égale 30 pièces. Donc, imaginons maintenant, il y a 4 personnes. Donc, on voudrait séparer les pièces équitablement entre ces quatre personnes. Donc bien sûr, on en veut le maximum par personne, mais comme on veut que ce soit équitable, il faut que tout le monde ait le même nombre de pièces. Donc ce qu'on avait déjà vu dans d'autres vidéos, c'était dire, ben, ok, j'ai quatre personnes, donc quatre fois quelque chose, est-ce que je peux obtenir 30? Ça serait parfait en fait, puisqu'on arriverait à utiliser toutes nos pièces, là, toutes nos 30 pièces, et les séparer équitablement pour chacune des quatre personnes. Donc là, si on regarde, en fait, on va vite fait voir que c'est pas trop possible, puisque si je fais, on peut tâtonner en fait. Alors on va voir que la division euclidienne, ça va nous permettre de ne plus tâtonner comme ça. Je sais pas, je peux dire, allez, essayons avec 10 pièces par personne. 4 fois 10, c'est combien? Bah, c'est 40. Ah bah non, c'est supérieur à 30. Donc ça va pas, on descend. 4 fois 9, 36, ça marche pas encore. 4 fois 8, 32, c'est au-dessus de 30. Donc maintenant, je suis obligé d'en donner 4 fois 7. Et 4 fois 7, c'est 28. Donc on voit en fait que j'arrive pas à faire 30, j'arrive simplement à faire 28. Donc si on regarde, on a réussi à faire, on a fait 4 fois 7, donc égale 28. Et combien de pièces il nous reste? Donc là, c'est déjà pas mal, on arrive à donner 7 pièces par personne. Donc si on regarde, on va pouvoir par exemple donner à la première personne, là ici on en a 6, donc on va lui donner ce paquet-là. Hop. Donc ça sera, lui on va l'appeler par exemple personne 1, personnage 1, personnage 2, personnage 3 et personnage 4. Donc ça, on va le donner au personnage 1. Ensuite, normalement, donc si on n'a pas fait d'erreur, en fait, on va voir qu'il reste deux pièces. Parce qu'on arrive à avoir que 28. Et on a 30 pièces en tout. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, hop. J'ai ce truc-là que je vais donner à personne 2. Ensuite, ces 7-là, hop. Je vais donner à personne 3. Et 7. Encore là, je vais donner à personne 4. Donc on voit bien là, il y a nos deux pièces qui restent, mais au moins chacun des personnages a 7 pièces. Donc le maximum qu'on pouvait donner, ça c'est important, mais bien sûr sans dépasser 30 ici. Et ben, ce qui reste, c'est là. Donc ça, ils l'auront pas. On s'autorise pas en fait à essayer de couper les pièces en deux. On veut vraiment des pièces entières, sinon après elles vont perdre leur valeur. Donc voilà, donc la division euclidienne, en fait, c'est quoi? Eh ben, on dit que 30, c'est égal, donc j'avais 4 personnes, donc 4 fois 7 plus 2. Donc si tu regardes ici, c'est ce qu'ils ont marqué ici. Et il précise avec reste inférieur à diviseur. Donc là, le diviseur, c'est ce truc-là, là, le 4. Donc ça, dans leur terminologie, c'est diviseur. Et ça, c'est le reste. Et on voit que le reste, il est inférieur au diviseur. Alors pourquoi? Donc, s'il était supérieur au diviseur, imaginons que j'ai ici d'autres pièces. Donc on va copier-coller des pièces. Ok, donc imagine j'ai rajouté ces quatre pièces-là.
Donc ça et ça. Donc là, si je conserve ma distribution de pièces que j'avais faite précédemment, là, aux quatre personnages, ça voudrait dire que j'aurais... Donc ça voudrait dire que j'aurais quoi? Ici, j'avais 30, donc j'ai 34 pièces. Donc j'aurais 34 est égal à 4 fois 7, donc 28. Et comme maintenant on a 34, donc il nous faut plus 6. Mais là, en fait, si on faisait ça comme ça serait bête. Parce que les 6 pièces qui restent là, eh ben, je pourrais les répartir entre les 4 personnes. Donc je pourrais donner une pièce de plus par personne. Donc par exemple, celle-là, elle irait pour personne 1. Celle-là, elle irait pour personne 2. Celle-là, elle irait pour personne 3. Et celle-là, elle irait pour personne 4. Donc là, on obtiendrait quoi du coup? Donc 4 fois 8, 32, plus 2, 34. Donc, bon, tiens, on obtient le reste, c'est le même. Mais tu vois, en fait, j'aurais pu transférer des pièces si le reste ici est plus grand que le diviseur ici. Ça veut dire qu'on peut transférer des pièces encore au personnage. Donc, comme on veut donner le maximum de pièces, donc de manière équitable à tous les personnages, c'est pour ça en fait que le reste il est inférieur à ça. Donc, c'est ce qu'ils te disent là. Avec reste inférieur au diviseur. Sinon, on aurait pu encore transférer des pièces. Donc, je vais éliminer les pièces que j'ai rajoutées. Voilà. Et maintenant, alors oui, ce set là, il l'appelle le quotient. Le quotient. Donc, tu vois, le quotient, en fait, c'est ce qu'on a donné à chacun des personnages. C'était 7 pièces. Et diviseur, en fait, c'était les 4. Il y avait 4 personnes. Donc, on voulait diviser toutes les pièces par 4 pour voir combien on pouvait en donner par personne. Et comme c'est de manière équitable, on voit qu'il est resté ce 2. Donc, voilà la définition de la division euclidienne. Donc, si on en fait une autre, histoire de bien comprendre. Ok, alors là on a trouvé un plus gros trésor, puisque alors il y a toujours 5 ici, mais cette fois-ci 3, 6, 7, 8. Donc on a 5 fois 8 égale 40 pièces d'or cette fois-ci. Ok, donc imaginons, on va faire plusieurs exemples, imaginons que l'on ait 5 personnes. Voilà nos 5 personnages. Et on veut répartir encore une fois toutes ces pièces-là, mais de manière équitable. Donc chacun des personnages doit en avoir la même quantité, mais avec le maximum qu'on puisse donner. Alors là, tu vas remarquer que c'est facile en fait à faire le partage, parce qu'il y a 5 fois 8 pièces. Donc en fait, on peut donner 8 pièces à chacun. Donc là, les 40, on vient de voir, là il y a 5 personnages, donc on voulait faire 5 fois quelque chose plus le reste ici est égal à 40. Bah, si on essaye de donner le maximum de pièces, on voit qu'en faisant 5 fois 8 plus 0, eh bien c'est 40. Donc là, ça veut dire qu'on peut donner 8 pièces à chacun, et en fait, le 0 ici, le reste, c'est-à-dire bah, qu'il restera aucune pièce. Et d'ailleurs, on peut le voir, hein, c'est facile. Tu vois, ici, il y a 5 lignes. Suffit que je donne ça à P1. Cette ligne-là à P2. Cette ligne-là à P3. Cette ligne-là à P4. Et enfin, ça à P5. Donc là, on voit que tout le monde est content parce qu'on a réussi. Bon, c'est équitable, donc tout le monde a la même chose, c'est normal. Mais en plus, on a utilisé toutes les pièces, il ne nous reste même pas de pièces en rab. Alors maintenant, si on enlevait un personnage ou deux personnages, tiens, on va essayer, on a la même quantité. Donc bien sûr, tu peux essayer en faisant une petite pause sur la vidéo. Donc là, je vais enlever ces deux-là. Il nous reste trois personnages et on veut encore répartir les pièces d'or entre ces trois personnages. Donc cette fois-ci, ce qu'on veut, donc notre diviseur, c'est 3, puisqu'on a 3 personnes. Ensuite,
on veut trouver le quotient et on voudrait trouver le reste. Donc ça doit nous donner 40 pièces. Donc 40, si tu regardes ici, ils appellent ça le dividende. Donc ça, c'est dividende. On va le remettre une fois quand même. Ici, c'est le diviseur. Alors, ici, c'est le quotient, ce point d'interrogation qu'on cherche. Combien là, on va pouvoir donner de pièces au personnage, à chaque personne. Et ici, c'est donc le reste. Combien il va nous rester de pièces? Alors, qu'est-ce que ça va donner ça? On doit ici, du coup, pour ce point d'interrogation-là, essayer de trouver le nombre le plus grand, bien sûr, qui ne va pas dépasser les 40 pièces quand on fera 3 fois ce nombre. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, 3 fois 10, ça fait 30 simplement, on peut aller beaucoup plus haut. 3 fois 15, c'est 45, c'est trop. 3 fois 14, c'est 4, 12, 42. Donc, ça m'a l'air d'être 3 fois 13. Donc, 3 fois 13, ça fait 39. Donc, le reste est de 1. Donc, ça fait bien 40. Donc, les 3, bon, bien sûr, comme ils sont 3, ils vont avoir plus de pièces chacun que quand ils étaient 5. Et donc, ici, on voit qu'il y a 13 pièces par personne. Et il ne nous restera normalement qu'une seule pièce. Donc, je vais juste vite fait faire 3 groupes pour voir de 13 pièces, pour voir si c'est bien, ça marche bien. Donc voilà, si tu regardes bien ici, ça pourrait être personne 1, personne 2, personne 3. Donc si tu comptes, tu verras qu'il y a bien 13 pièces par groupe et il nous reste bien la pièce toute seule, celle qui était là, le reste. Et là, 13, c'est ce qu'il y a là-dedans à chaque fois et le 3, c'est ces 3 paquets de pièces. Ok, alors pour illustrer ça, on va prendre justement à la page 73 de ton livre, on va faire les exercices. Donc là, ce sont des exercices corrigés pour les deux premiers. Et donc, bon, on va les faire les quatre ici. Donc dans le premier exercice, ils nous disent quoi? On veut partager équitablement 38 bonbons entre 5 enfants. Combien chaque enfant aura-t-il de bonbons? Combien reste-t-il de bonbons? Donc, c'est exactement ce qu'on vient de voir avec les pièces. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est on a 38 bonbons. On voudrait, donc on a combien d'enfants? Il y a 5 enfants. Donc on voudrait trouver, voilà, ça, plus le reste. Je ne me rappelle jamais des noms en fait de ça. On va regarder de nouveau. Donc le quotient ici, ce premier point d'interrogation. Donc ici, on veut trouver le quotient, donc qui sera le nombre de bonbons par enfant, et voir s'il reste des bonbons. Donc on va voir dans la prochaine vidéo comment calculer la skimette ici là. Donc, et je vais essayer d'expliquer pourquoi ça marche ce truc-là. Mais là, on va essayer de le faire ben, du coup avec la méthode par tâtonnement là que je montrais. Donc 38, on essaie de mettre le maximum pour le quotient ici. Donc on essaye, ben, je ne sais pas si je mets 10, 5 fois 10, 50, c'est bien trop. Si je mets 5, 5 fois 5, 25, c'est pas assez. Si je mets 7, 7 fois 5, 35, ça va. Si je mets 8, 8 fois 5, 40, c'est trop. Donc c'est 7 le maximum. Donc ici, ça serait 7. Et 7 fois 5, 35, donc il reste 3. Donc là, on peut vérifier, hein, mais 5 fois 7, 35 plus 3, c'est bien égal à 38. Donc là, on a notre réponse en fait. On sait qu'on peut donner 7 bonbons à chacun des étudiants et il restera en tout 3 bonbons. Est-ce que c'est bien ce qu'ils trouvent? Oui, ici, 7 bonbons et le reste est 3. Donc chaque enfant aura 7 bonbons et il restera 3 bonbons. Ok, on ne s'est pas trompé. Le 2. Alors avec 38 bonbons, on souhaite faire des paquets de 5 bonbons. Combien peut-on fabriquer de paquets identiques? Combien reste-t-il de bonbons? Toujours la même chose. On a 38 bonbons. On souhaite faire des paquets de 5 bonbons. Donc cette fois-ci, il y aura 5 bonbons par paquet. Donc là, on voudrait en fait, le point d'interrogation, ça va être le nombre de paquets. Ensuite, le reste, on va regarder combien il nous reste de bonbons. Donc là, le nombre de paquets qu'on peut faire, sachant que chacun en contient 5, ben on regarde. 5 fois 7, 35. Bon, en fait, ça change rien. C'est exactement la même chose, on a le même nombre ici, le même nombre ici, donc
ça va pas changer. 5 fois 7 plus 3. Donc là, en fait, ça veut dire, donc on voit bien que c'est 38, mais en fait, c'est exactement la même chose, c'est juste l'interprétation. Ici, c'est le nombre de paquets, et là, c'est le nombre de bonbons qui restent. Donc quand je fais 7 paquets et il y a 5 bonbons dans chaque paquet, donc là, si je fais un petit dessin vite fait quand même pour illustrer, alors, bon, mes paquets sont un peu moches, mais tu vois, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paquets de 5. Donc, on voit bien qu'il y a 35 bonbons en tout ici. Et donc, comme j'avais 38 bonbons, là, il m'en resterait 3 qui traînent. Donc, c'est bien ce qu'on obtient. 7 paquets de 5 bonbons et les 3 qui restent. Ok, alors là, il ne nous aide pas. Cette fois-ci, il va falloir qu'on se débrouille tout seul. Ok, alors, le 3. Marie est fleuriste. Ce soir, il lui reste 53 roses qu'elle n'a pas vendues. Donc là, si je ne me suis pas trompé, j'ai mis 53 roses. Alors pour vérifier, ici, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Ici, si je ne me suis pas trompé, il y en a 10. Donc le gros rectangle là, ça nous fait 50. Plus 3, 53. Oui, donc ça, c'est parfait. Donc maintenant, ce soir, il lui reste 53 roses qu'elle n'a pas vendues. Elle décide de confectionner 6 bouquets, contenant chacun le même nombre de fleurs et de les offrir à sa famille. Donc toujours le même principe. Combien de roses devra-t-elle mettre dans chaque bouquet? Lui restera-t-il des roses? Ben pareil, du coup on va faire notre petite division euclidienne, toujours par tâtonnement, hein. Dans la prochaine vidéo, je te montrerai comment on fait, sans tâtonner. Donc ici alors, elle veut des bouquets de combien? Elle veut 6 bouquets. Donc en tout, on a 53 roses. Ici, on veut 6 bouquets. Donc, combien il va y avoir de roses dedans? Donc, le quotient ici. Et le reste, est-ce qu'il va nous rester? Donc, ça, en fait, ça va répondre à combien de roses devra-t-elle mettre dans chaque bouquet? Donc, cette première partie-là. Et ça va répondre le reste. Lui restera-t-il des roses? Ok, donc on va essayer par tâtonnement encore. Donc on a 6 fois 10, ça fait 60, c'est trop. Donc 6 fois 8, 48. On voit qu'on ne peut pas faire plus parce que 6 fois 9, ça nous fait 54. Oh, j'ai du mal, il va falloir que je révise mes tables. Donc 6 fois 8, 48. Et il nous reste combien pour aller à 53? Donc ça nous fait 5. Donc 6 fois 8, 48, plus 5, 53. Donc on obtient bien nos 53 roses. Et donc ça répond à la question. Il nous faut 8 roses par bouquet. Et bon, on n'a pas pu mettre toutes les roses en fait, puisqu'il nous en reste 5. Donc si on regarde, je vais faire des petits groupes pour vérifier ça. Donc là, tu vois, on a bien un paquet, deux, enfin un bouquet, deux bouquets, trois bouquets, quatre bouquets, cinq bouquets, six bouquets. Donc on a bien nos six bouquets qui contiennent 8 roses chacun. Et on voit qu'il nous reste 1, 2, 3, 4, 5 roses qui traînent. Alors, à ton avis, il nous faudrait combien de roses en plus pour pouvoir en ajouter une par bouquet? Donc il nous faudrait, comme on a 6 bouquets, donc il nous faudrait là 1, 2, 3, 4, 5. Dommage en fait, avec une seule de plus là, eh ben on pourrait les répartir. Donc si je fais ça, je vais copier-coller. Imaginons qu'on ait celle-là en plus. Eh ben je pourrais maintenant, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je pourrais les déplacer, mettre celle-là par exemple ici, mettre celle-là dans l'autre là, mettre celle-là ici, ici, celle-là ici, et enfin celle-là ici. Donc là, cette fois-ci, ça aurait donné quoi? Donc il n'y a plus de reste en fait, puisque j'ai rajouté une rose en tout. Donc là, il y aurait 54 roses. Et maintenant, si j'ai toujours mes 6 bouquets que je veux faire, 6 fois 9, 54, plus 0 du coup.
Donc 6 fois 9, 54, et ben on a bien nos 9 roses par bouquet. Il ne reste plus rien sur la table, comme on peut le voir ici. Il y a bien 9 roses dans chacun des bouquets et rien sur la table. Alors, on a fini celui-là. On va faire le 4. Alors, le 4. Les 86 élèves de 6e d'un collège partent en voyage scolaire. Ils seront hébergés dans des chambres de 5 personnes. Quel est le plus petit nombre de chambres nécessaires pour héberger tous ces élèves? Alors, je n'ai pas dessiné les élèves cette fois-ci, mais on en a 86. Et les chambres contiennent 5 personnes. Donc, toujours la même chose. Ici, je voudrais trouver 5. Donc, ici, c'est les 5 élèves qu'on peut mettre dans une chambre. Donc, là, ce point d'interrogation, ça va nous donner le nombre de chambres. Donc, ici, ça serait le nombre de chambres. Et donc, s'il y a un reste, ce sera une chambre qui contiendra moins de 5 élèves. Donc on va voir ça. Donc ici, si je regarde encore une fois, on va essayer par tâtonnement. Donc moi je dirais 18, ça m'a l'air pas mal. 18 fois 5, non c'est pas bon, parce que 18 fois 5 c'est 90. Donc 5 fois 8, 40, 0, je retiens 4. 5 fois 1, 5 et 4, 9, donc 90. Donc c'est au-dessus des 86. Donc 17 à mon avis c'est bien, 17 fois 5, 5 fois 7, 35, 5 j'aurai 33, 5 fois 1, 5 et 3, 8, 85 c'est bien en dessous. Donc c'est le plus gros qu'on pouvait faire en dessous, donc on a 86 égale 5 fois 17. Donc là il y a 17 chambres qui vont être complètes, donc où il y aura 5 étudiants, enfin 5 élèves pardon, par chambre. Et il va nous rester du coup oh ben, un élève tout seul. Il sera tout seul dans une chambre. Le plus petit nombre de chambres nécessaires, oui. Et là, faut pas se tromper en fait, parce que lui, il reste un élève qui va être tout seul. Donc, on va pas le laisser en dehors des chambres, bien sûr. Donc là, ici, on a nos chambres. Elles peuvent contenir jusqu'à. Donc, elles doivent avoir 5 lits. Donc, on voit qu'on va avoir besoin de 17 chambres de 5 lits, donc de 5 étudiants qu'on va mettre dedans. Mais le pauvre, une fois qu'on aura mis ces 17 chambres-là, bah, il y aura un petit étudiant qui sera tout seul. Donc bien sûr, on ne va pas le laisser dehors. Donc on devra le mettre aussi dans une chambre. Alors lui, il aura carrément de la place. Si on fait comme ça, si on remplit toutes les chambres à fond, bah, lui, il aura juste tout seul avec les 5 lits. Donc bah, oui, il sera peut-être un peu seul. Alors peut-être qu'on pourrait enlever un étudiant d'une autre chambre qui était pleine pour le rajouter là, et puis peut-être un autre, comme ça on pourrait faire en sorte qu'il soit pas tout seul dans sa chambre. Donc en fait ce qu'on pourrait faire, c'est même pour que ça soit sympa pour lui, c'est qu'on pourrait dire bah ok, là tout ça c'est rempli, etc. Là normalement, là, je fais des trois petits points, mais ici on devrait en avoir 17 chambres comme ça. Donc tout ça, normalement, ce paquet-là, c'est les 17 qui sont là. Donc là, il y a 17 chambres. Et là, c'était l'étudiant qui nous restait. Donc là, il y a une 18e chambre. Donc une chambre de plus. Donc plus une chambre là. Donc en tout, il y aura 18 chambres. 18 chambres. Et soit ben, on remplit les 5 lits de ces 17 chambres et il nous reste un étudiant. Ou alors, ce qu'on pourrait faire, c'est vrai, par exemple, ça serait prendre celui-là et le transférer là. Alors lui, il serait là. On pourrait prendre celui-là et le transférer là. On pourrait prendre, par exemple, un qui est là et le transférer là. Et bon, là, il serait 4, il serait content. Et là, il y en aurait 4, 4 et 4 lits qui seraient occupés. Et tout le reste, il y aurait les 5 lits qui seraient occupés. Donc, au lieu de le laisser tout seul, peut-être qu'on peut faire ça pour qu'il soit plus content. Donc le plus petit nombre de chambres, c'est bien 18 et pas 17, parce qu'on ne veut pas laisser un étudiant dehors, bien sûr. Alors une dernière petite application marrante, je trouve. Imaginons que j'ai quelque chose en cercle comme ça, et j'ai un petit personnage qui va marcher. Donc ça ferait, il fait un pas, il fait deux pas, il fait trois pas, il fait quatre pas, 5 pas, 6 pas, et il revient là, sur le 0, donc au 7e, il recommence, il recommence, il recommence. Et
Le problème, c'est je donne le nombre de pas que va faire le petit personnage là, et j'aimerais bien trouver où il va atterrir. Alors, tu peux faire une petite pause sur la vidéo si tu veux et essayer de voir comment, avec la division euclidienne, je peux trouver ça. Donc, si je te dis par exemple qu'il a fait n pas, donc je sais pas, ce n ça peut être 10, 100, 1000, enfin un certain nombre. Donc, imaginons les pas, je vais les représenter par ces petites flèches. Donc, je te dis, il a fait donc, tout ça de pas. Donc, comment on peut trouver le numéro sur lequel il est atterri? Donc, en fait, si on regarde bien, un tour complet, donc qui nous fait atterrir sur le 0, c'est 7 pas. Donc, il faudrait faire des paquets de 7 en fait. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, ça serait un tour complet. Ça serait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça serait un autre tour complet. Donc, ça veut dire que là, je suis parti du si je suis parti d'ici. Comme j'ai fait un tour complet avec mes 7 pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je reviens en 0. Là, poutoulou, pareil, je reviens en 0. Et le reste, maintenant, il me reste 4 pas. Donc, je n'ai pas pu faire un tour complet. Donc, ça veut dire que je vais atterrir normalement 1, 2, 3, 4 sur le 4 ici. Donc, si on regarde bien, si je te donne n pas, je voudrais ben, trouver les paquets de 7, donc 7 fois combien, et le reste en fait, donc ça, celui-là, il me donne le nom de tour complet, donc un tour complet, c'est-à-dire je raterris sur le 0, et le reste ici, si c'est différent de 0, donc ça veut dire qu'on n'a pas pu, on n'a pas pu faire que des tours complets, en fait, on a dépassé à la fin, et ben ça nous donnera exactement la case où on se trouve. Donc ça veut dire que le reste en fait, il nous donne la case où on se trouve. Parce que si c'est 0, le reste, ça veut dire qu'on a fait que des tours complets, donc on est atterri sur le 0. Si jamais c'est 1, ça veut dire qu'on a fait des tours complets plus un pas, donc on est atterri sur le 1, etc. Donc si on essaye, juste pour voir, alors avec un nombre pas très grand, imaginons que j'ai fait 17 pas. Donc 17 pas, donc c'est 7 pas pour faire un tour complet. Donc, on va regarder les deux points d'interrogation. Alors, je vais re-regarder les termes exacts à chaque fois que j'oublie. Donc, pour le redire une fois. Donc, ça, c'est dividende. Le 7 ici, c'est le diviseur. Ce point d'interrogation-là, c'est quotient. Et ici, c'est le reste. Je crois que le seul que je me rappelle, c'est à chaque fois, c'est le reste. C'est le terme reste. Alors ici, si on fait encore par tâtonnement, bon, j'ai hâte de te présenter l'autre manière de faire parce que c'est un peu long à chaque fois de faire comme ça. Alors 7 fois 3, 21, ça dépasse. Donc 7 fois 2, 14. Et le reste, du coup, ça va être 3. Donc si je ne me suis pas trompé dans mon raisonnement, on a fait deux tours complets. Donc 7 pas par tour, et on a dû en faire 3 autres, donc on devrait normalement être sur le 3. Bon, rien ne vaut de tester vu que les nombres sont petits, donc c'est parti, on va voir si ça marche bien, mais ça va être magique, ça va bien marcher. Donc 17 pas, c'est parti. Donc j'en fais 1, 2, 3, 4, 5. Oh, j'ai une idée. Donc c'est parti, je vais déplacer le personnage à chaque fois. Donc là, un pas, deux pas, trois pas, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, 17. Ouais, ça marche trop bien. Allez, un dernier. Donc imaginons 28, pourquoi pas. Donc 28, c'est 7 fois quelque chose plus quelque chose. Alors 7 fois 4, 28. Donc plus 0. Donc on a normalement, si je ne me suis pas trompé, on va faire 4 tours.
et le reste vaut 0, donc on va atterrir sur le point de départ. On va voir si c'est correct. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28. Et oui, on est bien atterri sur 0. Ok, ben, dans la prochaine vidéo, on va voir comment calculer donc la division euclidienne. Donc si tu regardes ici, là, on voit, voilà, on va faire ce genre de choses. Ok, à la prochaine vidéo.